Pouvez-vous s'asseoir? Bonjour, Monseigneur Michel Guérin. Bonjour à vous tous. Bienvenue dans notre paroisse, Monseigneur Michel Guérin, vicaire général du diocèse de Paris. Vous avez rencontré les confirmants il y a 2 semaines et aujourd'hui, vous êtes ici pour leur donner le sacrement. Monseigneur, au nom de notre recteur, Père Gilbert Nguyen Kim Sang, et au nom de toute la communauté paroissiane, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Votre engagement et votre dévouement à notre foi sont une source d'inspiration pour nous tous. Cette célébration de confirmation est un moment significatif et mémorable dans la vie de nos jeunes confirmants. Par votre présence, vous apportez non seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi un soutien précieux à ces jeunes qui s'engagent à suivre le chemin de la foi. Je souhaite également remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette messe de confirmation. Les catéchistes, les huynh trưởng, les giảng viên tiếng Việt, les parents, parrains, marraines, ainsi que tous les membres de la communauté paroissiane, sans votre dévouement et votre soutien, cette célébration n'aurait pas été possible. Ensemble, nous formons une communauté unie et forte, prête à soutenir nos jeunes dans leur foi et leur vie chrétienne. Que cette journée soit le début d'une nouvelle étape remplie de grâce et de bénédiction pour eux. Encore une fois, merci de tout cœur, Monseigneur, pour votre présence et votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre ministère et qu'il vous accorde la force et la sagesse nécessaires pour continuer à guider les fidèles sur le chemin de la foi. Kính thưa cộng đoàn, một vài lời cảm ơn và chúc mừng cộng đoàn ngày hôm nay đã có mặt trong thánh lễ này. Cha Dinh thấy rất là nhiều những người thân trong gia đình của các em sẽ lãnh bí tích thêm sức hôm nay. Cả đại gia đình, cho nên nhà thờ hôm nay cũng đầy. Và tất cả chúng ta làm nên một thánh lễ ngày hôm nay quay quanh những con cháu của chúng ta. Để qua bàn tay của Đức ông Guérin, các em được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần. Cha Dinh xin cảm ơn tất cả sự có mặt của cộng đoàn chúng ta, tất cả những ai làm nên thánh lễ này, từ các giáo lý viên huynh trường, các giảng viên tiếng Việt đến các cha mẹ đỡ đầu, đặc biệt các cha mẹ đã bao nhiêu năm nay cố gắng hy sinh để con em chúng ta được thêm sức hôm nay. Cha Dinh cũng cảm ơn tất cả những ai giúp cho thánh lễ này, từ các photograph và các anh chụp hình, anh chị Quyên Huy lo về video, cũng như tất cả những người lo về mạng thông tin của giáo xứ. Vì đây là nếu như xét về phụng vụ của một giáo xứ trực thuộc một giám mục thì đây là thánh lễ quan trọng nhất trong năm. Lý do là ở đây chúng ta có vị đại diện của giám mục, người coi sóc và làm chủ cái giáo xứ này, đại diện Thiên Chúa. Rồi Đức Giám mục sai các cha về đây coi sóc phần linh hồn cho quý ông bà anh chị em. Cho nên cha Dinh nói đây là thánh lễ quan trọng nhất. Cho nên một lần nữa chúng ta cùng
Vỗ một tràng pháo tay thật lớn. Bienvenue, Monseigneur Michel Guérin, et à vous tous. Merci. Và trong thánh lễ này, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Giuse Lê Công Bảo, Anne Mai Thị Cúc Hoa, cũng như các linh hồn mồ côi. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn Anne Lê Thị Ánh Tuyết, cầu nguyện cho linh hồn Anton Phân Trung Nghĩa, các linh hồn ông bà cha mẹ, các linh hồn nơi luyện ngục, linh hồn Lucia Hoàng Thị Mão, nhân ngày lễ dỗ là bà nội của em Y Lan ngành ấu, linh hồn Maria Vũ Thị Hiền, Doan Kim Nguyễn Văn Thóc, Doan Kim Nguyễn Xuân Bái, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và các gia đình xin tạ ơn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Giuse Phạm Hữu Hoàng, Giuse Trần Văn Mão, Isabel Lê Thị Sẫm. Và giờ đây, et maintenant, avec Monseigneur Michel Guérin, tous ensemble, nous rentrons dans la célébration. Veuillez vous lever. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Merci Père de m'avoir accueilli avec une manière si chaleureuse. Je suis heureux de retrouver cette communauté vietnamienne que j'ai, dans laquelle je suis venu l'an dernier aussi pour confirmer, et donc de venir aussi pour confirmer ces 17 jeunes et moins jeunes, et plus âgés, et un peu plus âgés que ceux qui ont habituellement 14-15 ans, puisqu'ils sont en troisième. Il y a au moins deux adultes avec eux. Je crois qu'il y a une personne, une jeune fille de première. Voilà, il me semble. Voilà, vous vous êtes confirmé dans une messe de dimanche, dans un dimanche ordinaire. Néanmoins, vous voyez, nous sommes habillés en rouge, qui est la couleur de l'Esprit-Saint. Le rouge, c'est le feu de l'Esprit-Saint, c'est le feu de l'amour. Et ce samedi, peut-être vous y avez été attentif, c'est une fête pour l'Église, ou une mémoire pour l'Église. On se souvient que la Vierge Marie, enfin, du cœur immaculé de la Vierge Marie. Hier, vendredi, nous avons célébré le cœur de Jésus, et aujourd'hui, le cœur immaculé de Marie. Et dans la prière initiale de la messe, on entendait ceci, « Dieu a préparé dans le cœur de Marie une demeure pour son Esprit-Saint. » Donc on va demander à la Vierge Marie, en particulier, de vous accompagner, en particulier vous qui allez être confirmés, de telle manière que votre cœur soit une demeure pour l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, bien sûr, vous l'avez déjà reçu, comme tous ceux qui sont baptisés. Aujourd'hui, vous le recevrez, vous recevez en plénitude. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, c'est-à-dire que nous avons toujours besoin du pardon de Dieu pour pouvoir accueillir le don qu'il veut nous faire et aussi pour pouvoir communier au Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
thiên chúa là vua trên trời, chúa là thiên chúa là toàn năng chúa cha. Này con một thiên chúa là đấng Kitô, chính đây là chiến thắng con vua trời cha vinh hiển. Chúa xóa tội trần gian, lạy Ngài xin đoái thương, xin xót thương đoàn con. Chúa xóa tội trần gian, nguyện nhân nơi chúng con, xin nghe tiếng con cầu xin. Chúa ngự bên hưu, ngàn đời bên Chúa cha, xin xót thương đoàn con. Giêsu Kitô chỉ Ngài đấng thánh thiêng, duy Ngài là Chúa, chỉ duy Ngài đấng tối cao. Trong sự hiệp nhất cùng với Thánh Linh, trong nguồn vinh quang của Đức Chúa Cha. Nous t'en prions, Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint qui nous aide à progresser dans la vraie foi, qui nous unisse dans une charité plus vive, afin que se développe le corps du Christ et qu'il atteigne sa plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Thank you.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và vì Chúa rất giàu ân cứu độ. Chết thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, có được cùng một lòng tin như đã chép. Tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu trở dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trở dậy với Chúa Giê-xu và được chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, anh dũng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại
cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại viễn viễn. Quả thật, chúng ta biết rằng, nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Đó là lời Chúa. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Chúa nói, giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được gương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Cùng anh chị em và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebub ba ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ được Satan? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại. Nhưng đã tận số, không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà sau. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời, vì là họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho mọi người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em của Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi,
đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmèrent, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? En parcourant du regard ce qui était assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, c'est pas facile de parler de l'Esprit Saint avec les textes que nous avons entendus. On nous parle de l'Esprit Saint dans les textes que nous avons entendus. Mais dans l'Évangile, on parle plutôt du péché contre l'Esprit. Et Jésus dit même, celui qui pêche ainsi, il n'aura pas de rémission, c'est-à-dire de pardon. Heureusement, il y a la deuxième lecture, celle que nous avons entendue de saint Paul, où il était question de l'Esprit Saint. Est-ce que vous avez été attentif à cela? Saint Paul reprend une phrase de la Bible, de l'Écriture. Il dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et il ajoute « Nous aussi, qui avons le même esprit de foi ». Vous voyez, il parle de l'esprit de foi. Nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Et cette parole, vous le savez, c'est un témoignage, le témoignage que le Christ est ressuscité. Et pas seulement cela, hein, que nous aussi nous ressusciterons avec lui. Nous croyons, l'Esprit nous donne de croire, l'Esprit Saint nous donne de croire, et de témoigner sans peur, sans crainte, que non seulement le Christ est ressuscité, mais que nous ressusciterons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Je vais quand même reprendre l'Évangile, même s'il y était question d'un péché contre l'Esprit. Vous savez que Jésus a commencé sa mission, nous sommes au début de l'Évangile de saint Marc, hein. Jésus a commencé sa mission et très vite, il attire les foules. C'est un véritable phénomène qui vient aux oreilles des autorités de Jérusalem. Et ces autorités dépêchent
sur le terrain des scribes pour analyser, juger de ce phénomène. Mais devant ce phénomène qu'ils ne contrôlent pas, les scribes posent un jugement sans appel. Jésus fait des miracles ? Et alors ? Jésus chasse des démons ? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, ça vient de Satan. C'est par Belzéboul qu'il chasse les démons, par le chef des démons qu'il chasse les démons. Un jugement sans appel, hein. C'est pas le Dieu, c'est le diable. Vous imaginez, quand les foules entendent, ces scribes, c'est-à-dire des gens qui sont quand même importants, qui ont le savoir théologique, qui ont été formés aux meilleures écoles à Jérusalem, dire ce genre de choses, la première chose quand on entend cela, vous voyez, c'est qu'on fait un pas en arrière, on recule. Moi, je veux bien suivre Jésus s'il me parle de Dieu, mais si c'est un démon, si c'est par Belzéboul qu'il agit, alors là, je ne veux pas le suivre. Comment Jésus réagit-il ? Même pas peur. Enfin, l'expression est un petit peu triviale, est un petit peu familière, parce que Jésus n'est pas un fanfaron. Jésus accueille ce que nous disons, il l'accueille toujours avec bienveillance, mais il l'accueille aussi avec fermeté et fermeté du jugement. Et en l'occurrence, quand on lui rapporte ce qu'on dit de lui, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons, la première chose qu'il commence à faire, c'est montrer l'absurdité de ce jugement. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si Satan procède ainsi, il s'affaiblit, il se divise, il est ruiné. Donc il agit en quelque sorte contre lui. Il y a quelque chose d'illogique et même d'absurde. Donc c'est un raisonnement par l'absurde, si vous voulez, que Jésus va commencer à faire. Et il va prendre deux exemples. Il prend l'exemple d'un royaume. Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas tenir. Et juste après, il dit à peu près la même chose, mais au lieu de parler d'un royaume qui correspond bien évidemment à Satan, Satan n'a pas d'autre but que de régner. Il règne en divisant, vous connaissez peut-être l'expression « diviser pour régner ». En grec, « diviser », ça se dit « diaballo », et ça donnait le diable. Il règne en accusant. Accuser en hébreu, ça se dit « Satan ». Il règne en asservissant, en nous rendant esclaves, en nous prenant notre liberté. Donc si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas tenir, il est fini. Et Jésus va répéter la même phrase, mais cette fois-ci à l'échelle de la maison. Si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas tenir, elle est finie. Pourquoi une maison ? Qu'est-ce que c'est qu'une maison ? Une maison, ce n'est pas simplement un bâtiment de pierre. Ce sont les personnes qui l'habitent. Dans une maison, habituellement, habite une famille. En hébreu, maison et famille sont quasiment synonymes. Si une famille est divisée contre elle-même, elle ne peut pas tenir. On a l'impression que Jésus est au courant de ce que les siens, vous voyez, ça commence au tout début, hein. Nous avons entendu au tout début de l'Évangile que devant ces foules qui se rassemblaient autour de Jésus, les siens, ceux de la famille de Jésus, se disent « il a perdu la tête » et veulent se saisir de lui. On a l'impression que Jésus est au courant de cela. Pourquoi les siens agissent-ils ainsi d'ailleurs ? Peut-être c'est dû précisément à ce jugement que les autorités importantes de Jérusalem ont prononcé sur Jésus. Hein, c'est par Belzéboul qu'il chasse les démons. Et ils se disent à ce moment-là, il faut absolument intervenir, parce que si jamais on ne fait rien, on va nous le reprocher. On nous en rendra responsables. Donc, dans sa réponse aux scribes de Jérusalem ou à ceux qui lui rapportent ce que les scribes de Jérusalem disent, Jésus pointe d'une certaine manière ceux de sa maison qui veulent se saisir de lui. De quel esprit sont-ils ? Est-ce que véritablement ils sont du même esprit que lui ? Ou sont-ils de cet esprit qui divise, cet esprit qui accuse, cet esprit qui veut asservir celui qu'il appelle Satan ?
Jésus montre donc l'absurdité de la position des scribes et en même temps, il juge. Il ne fait pas simplement une démonstration par l'absurde, il montre le côté illogique de ce jugement, mais il juge, comme un juge fait quand on lui présente quelque chose, à la différence des scribes de Jérusalem qui jugent aussi, mais sans avoir entendu Jésus, et peut-être aussi sans justice, sans chercher la justice, ou sans chercher la vérité. Jésus dit « Attention, à agir ainsi, vous risquez de commettre un blasphème. » Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème ? Un blasphème, c'est une manière de rendre à un autre que Dieu ce qui relève de Dieu seul. On pense que c'est un autre que Dieu qui agit, alors que c'est Dieu seul qui agit. Jésus les prévient. Peut-être que ce n'est pas conscient chez vous. Mais prenez conscience que vous êtes allé un peu vite dans votre jugement. Vous êtes peut-être laissé emporter par un autre esprit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc Jésus juge, mais il les prévient. Il est sévère. Ce type de péché, on l'appelle le péché contre l'Esprit Saint. Non pas que Jésus soit venu pour juger ou pour condamner, si vous voulez. Vous savez bien que Jésus n'est pas venu pour condamner. Hein ? Pourquoi Jésus est-il venu ? Je pourrais interroger les futurs confirmés. Vous êtes préparés. Pourquoi Jésus est-il venu ? Pourquoi le Père a-t-il envoyé son Fils dans le monde ? Est-ce que c'est pour juger le monde ? Non, c'est pour le sauver. Jésus n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, ou quand il juge, c'est au sens, voyez, où on nous demande est-ce que ce propos est juste ou il n'est pas juste, voilà, c'est une opération de l'esprit. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il est venu pour prévenir, voilà, qu'on peut être aussi tenté par un esprit qui n'est pas l'Esprit Saint, un esprit mauvais, et qui peut nous entraîner à des jugements qui sont mauvais. Jésus n'est pas venu pour condamner, et quand il nous parle du péché contre l'esprit, il n'est pas en train de nous dire qu'il n'y aura pas de rémission pour certains, ça dépend de nous. Il nous dit que l'Esprit Saint, c'est ce qui est envoyé par Dieu pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Si je n'ai pas mon cœur ouvert à l'Esprit Saint, je ne peux pas recevoir le pardon des péchés. Je suis bloqué. Voilà. C'est dans le même esprit, vous voyez, que le psalmiste, celui qui a chanté tout à l'heure, ou celle qui a chanté tout à l'heure, c'est dans le même esprit, l'Esprit Saint, voyez, qu'elle s'est exprimée. Le psaume, vous savez, dans la liturgie, c'est une manière de répondre à la première lecture. La première lecture nous rappelait le péché d'Adam et Ève et la manière dont Dieu arrive et juge. Effectivement, il va essayer d'écouter. Il va écouter Adam, il va écouter Ève, et puis ensuite, il va juger. Il va juger avec justice. Lui, vous voyez, Dieu, quand il intervient, c'est toujours en écoutant d'abord hein, ceux qui sont qui sont impliqués dans la situation, et puis en fonction de ce qu'ils disent, précisément, il va juger avec justice. Et dans la liturgie, le psaume, ça répond à la première lecture. Et qu'est-ce que nous avons chanté dans le psaume ? On a dit « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Je suis pécheur. » Mais en toi se trouve le pardon, en toi se trouve la miséricorde. Vous voyez, nous avons reconnu le péché, nous avons fait comme écho à ce qui se passait pour Adam et Ève, nous avons reconnu le péché, nous nous sommes tournés vers Dieu, dans un esprit de supplication. Voilà, dans un esprit saint, un esprit de supplication, qui nous fait reconnaître notre faute, et voir en Dieu le pardon que Dieu veut nous donner. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Il était question dans le psaume de la crainte. La crainte de Dieu, qui, vous savez, est un des dons de l'esprit, c'est un don un peu énigmatique, parce que il s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Adam a peur de Dieu, oui, parce qu'il a péché, et il se cache. Mais l'Esprit Saint ne nous est pas donné pour que nous ayons peur de Dieu. Il nous est donné pour que nous ayons de l'espérance en Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en lui, qui espère en sa miséricorde, qui espère en son amour. Le psaume n'hésite pas à dire, par exemple, « Dieu veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour les délivrer de la mort, les conduire en paix, alors même qu'ils traversent des situations difficiles. » Voilà. La crainte de Dieu, celle
dont l'Esprit veut nous donner, enfin il veut nous remplir, c'est l'espérance dans l'amour de Dieu. Un amour qui est si grand, vous voyez, qu'il est par-dessus le don. C'est pourquoi on l'appelle le pardon. La miséricorde, voilà, c'est le nom qu'on lui donne. C'est un amour qui déborde, vous voyez, et qui n'a pas peur d'affronter ce qui est péché en nous. À condition que nous reconnaissions pécheurs et que nous recevions ce pardon de Dieu. Et le prêtre nous dit, quand nous venons nous confesser, le Père a envoyé son esprit, on pourrait dire aussi le Fils a envoyé son esprit, pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Alors, que peut-on dire de l'Esprit Saint ? Je vous ai dit beaucoup de choses déjà. L'Esprit Saint, c'est celui, vous voyez, qui nous fait adhérer à la foi, qui nous fait croire, qui nous fait témoigner de Jésus, qui nous fait témoigner que Jésus est ressuscité et que nous ressusciterons avec lui. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous fait adopter la position de Dieu, vous voyez. C'est une position juste, où on entend tout le monde. On respecte tout ce que nous entendons. Nous faisons confiance à tout ce que nous entendons et nous jugeons avec justice. L'Esprit Saint, c'est celui qui crée en nous ce besoin de nous tourner vers Dieu, et même si nous sommes pécheurs, de lui demander le pardon, ou précisément parce que nous sommes pécheurs, de lui demander son pardon. C'est celui qui, en quelque sorte, crée en nous un esprit de grâce et de supplication, de telle manière que nous nous tournons vers Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés. C'est celui qui nous fait adhérer à Dieu en vérité. L'Esprit Saint nous est donné aussi, on pourrait reprendre quelque chose que vous avez entendu dans la deuxième lecture, pour voir les choses comme Jésus les voit. Jésus, il voit les choses visibles, mais il voit aussi les choses invisibles. C'est quoi les choses invisibles ? Jésus, il regarde la réalité en tenant compte de la présence de Dieu dans cette réalité. Une présence qui est une présence agissante. Et Jésus collabore à l'œuvre de Dieu, à l'action de Dieu. Jésus fait la volonté de Dieu. Vous voyez, à la fin de l'Évangile, nous avons entendu le moment où les proches de Jésus, alors on a dit sa mère, ses frères, ses sœurs, Saint Marc, dont cet Évangile est tiré, est assez, un petit peu critique à l'égard de la Vierge Marie. Et nous avons l'habitude, quand nous entendons cet Évangile, de dire s'il y a bien une personne au monde après Jésus qui a essayé de faire la volonté de Dieu, c'est bien la Vierge Marie. Bon, sans doute Saint Marc veut montrer que la famille doit, elle aussi, vous voyez, se positionner. C'est pas parce qu'on est dans la même famille que nous n'avons pas à nous décider pour Jésus, pour nous décider sur la volonté de Dieu. Ce qui fait l'unité d'une famille, c'est le dessein, le désir mutuel, le désir commun de faire la volonté de Dieu. En tout cas, c'est le critère que Jésus donne, et c'est une manière pour lui, de manière indirecte, si vous voulez, c'est une manière pour lui de dire « Je fais la volonté de Dieu ». C'est pas par Satan que j'agis, c'est par Dieu que j'agis, c'est par son esprit. S'il faut, pour être de la même famille que Jésus, être sa sœur, ou son frère, ou sa mère, s'il faut pour cela faire la volonté de Dieu, ça veut dire que Jésus fait la volonté de Dieu, sinon ce n'était pas un critère qu'il donnerait. Donc l'Esprit Saint, voyez, il nous permet de voir les choses comme Jésus les voit, et de tâcher de faire la volonté de Dieu, de collaborer à l'œuvre de Dieu. Voilà. L'Esprit Saint, vous savez, on l'appelle le défenseur. Satan, c'est un nom d'action, ça veut dire l'accusateur. Vous avez donc un défenseur, l'Esprit Saint, et vous avez un accusateur qui est Satan. Et au centre, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un juge. Le juge, c'est pas les scribes de Jérusalem, c'est pas les gens qui pourraient nous accuser, c'est Dieu lui-même. Par chance, le juge et le défenseur sont du même parti. Dieu est davantage attentif, et même il est surtout attentif à l'Esprit Saint. Un défenseur nous est envoyé, qui est l'Esprit Saint, qui prend notre défense et qui nous aide à prendre la défense de ceux qui sont autour de nous, à ne pas céder à cet esprit puissant qui nous dit « Dis que c'est pas toi, dis que c'est elle !» Ou « Dis que c'est pas toi, dis que c'est lui !» Combien de fois ça nous est arrivé ?« C'est pas moi, c'est lui !» C'est pas moi, c'est elle. Ça a commencé dès l'origine avec Adam et Ève. C'est pas moi, c'est elle. C'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme de répondre, c'est pas moi, c'est le serpent. On s'accuse mutuellement. On fait le jeu de l'accusateur. On fait le jeu de Satan. De quel esprit sommes-nous?
Dieu nous envoie un esprit qui est un défenseur, voyez, qui va nous permettre de reconnaître quand nous sommes responsables de nos responsabilités dans ce qui se passe dans le monde. Mais en même temps, un défenseur, voyez, c'est-à-dire qui prend notre défense. Qui, si nous avons mal agi, nous dit que nous valons plus que cela, nous sommes meilleurs que cela, que nous sommes pour Dieu des gens qui ont du prix, qu'il n'a pas hésité pour chacun d'entre nous à envoyer son Fils dans le monde pour nous sauver. Que nos noms, tout à l'heure vous allez être appelés, vous, qui allez être confirmés, vos noms sont écrits dans la main de Dieu. C'est une phrase que vous avez dans la Bible. Vos noms sont écrits sur mes paumes. Même si une mère oubliait son enfant, moi je ne vous oublierai pas. Nous avons du prix pour Dieu, nous comptons pour lui. Et il veut que nous formions une même famille avec lui. Une famille qui est fondée précisément sur une volonté commune. Une volonté de faire le bien. Une volonté de prendre la défense, en particulier de ceux qui sont les plus faibles, les plus... Voilà, qui sont dans des situations difficiles et que nous pouvons aider. L'Esprit Saint que vous allez donc recevoir en plénitude va vous faire entrer dans la famille de Jésus, enfin plutôt il vous a fait entrer dans la famille de Jésus, puisque vous l'avez reçu au baptême, et c'est comme ça que vous êtes devenu enfant de Dieu, et en même temps il va renforcer votre lien familial avec Dieu, ce qu'on appelle l'alliance. Hein. Nous sommes rassemblés pour célébrer, outre la confirmation, le sacrement de l'alliance nouvelle et éternelle, c'est-à-dire l'Eucharistie. Vous êtes tous du Mège, non? Du mouvement eucharistique. Voilà. Hein. Eh bien, l'Eucharistie, c'est un sacrement. L'Eucharistie, ça veut dire merci. Mais l'Eucharistie, vous le savez, c'est une alliance, l'alliance de Jésus. Voilà. Et l'Esprit-Saint nous a donné pour renforcer notre alliance avec Jésus. L'Esprit-Saint vous est donné en plénitude pour demeurer en vous, pour être celui qui, en vous, voyez, développe le sens, la compréhension de la volonté de Dieu et vous permet de, et vous donne la force de l'accomplir. Rendons grâce à Dieu pour cette décision que vous avez prise de recevoir l'Esprit-Saint en plénitude. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui vous ont accompagnés dans cette décision et en particulier pour vos parents qui vous ont lancé dans la vie de foi, dans la vie éternelle, en vous communiquant la vie de Jésus par le baptême. Chers amis, vous allez être appelés par votre prénom. Vous avez un micro pour qu'on vous entende bien. Et vous répondrez, me voici pour faire ta volonté. Et vous vous lèverez, comme on se lève au moment de l'Évangile, parce que la parole de Jésus nous donne sa force de vie. Đào Quang Tuyến, Alexandre. Me voici. Đào Thúy Vi, Justine. Me voici. Đinh Nhật Anh, Thérèse. Me voici. Đỗ Tú Quỳnh, Julie. Me voici. Lê Clara Diễm Khanh, Bernadette. Me voici. Nguyễn Céline, Cécile Marie. Me voici. Nguyễn Gia An, Jacques. Me voici. Nguyễn Hoàng Vi, Elisabeth. Me voici. Nguyễn Xuân Minh, Joachim Marie. Me voici. Nguyễn Ý Xuân, Claire. Me voici.
Phạm Hoàng Yến, Marie. Me voici. Sœur Hoàng Sơn, Pierre. Me voici. Trần Jimmy, Joseph. Me voici. Trương Hải Băng, Marie. Me voici. Vous, Elena, Thérèse. Me voici. Trần Hoàng Phúc, Luc. Me voici. Yann Sang, Joseph. Moi aussi. Chers amis, vous avez répondu à l'appel de votre nom. Vous avez répondu « Me voici ». Vous savez bien que, en faisant cela, ce n'était pas pour vérifier que vous étiez tous présents. Hein ? Nous le savions déjà. Mais c'était un appel que l'Église, et même à travers l'Église, que Dieu vous adressait. Et cet appel, vous avez répondu « Me voici pour faire ta volonté ». Vous vous engagez. Vous montrez que vous décidez, voyez, que vous engagez pour recevoir ce sacrement de la confirmation, pour recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Alors vous êtes préparés tout au long de cette année, vous avez été accompagnés par bien sûr votre famille, vos parents, vos frères et sœurs si vous en avez, vos catéchistes. Et nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble aujourd'hui. Pour recevoir ce sacrement, je vais vous demander, je vais vous poser des questions pour vérifier que vous avez la foi, sachant que l'Esprit Saint que vous avez déjà reçu va vous aider à la confesser. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché? Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. J'y renonce. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. J'y renonce. Et maintenant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Très bien, et maintenant je vais demander à toute l'Assemblée de se lever et de reprendre avec moi, avec ces jeunes qui viennent de l'affirmer, de le confesser, de reprendre avec moi la foi, pour manifester notre soutien, à la fois notre foi commune et notre soutien à tous ceux qui vont être confirmés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Nous nous recueillons un instant avant que les prêtres, tous les prêtres ici présents, étendent, imposent sur vous les mains et qu'en nom de tous, au nom en particulier de notre archevêque, j'appelle, je prie sur vous et j'appelle en particulier l'Esprit Saint en mentionnant tous les dons de l'Esprit. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux et en silence nous prions. Que Dieu leur donne l'Esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et
un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus vit. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Père très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Puissance divine, il n'y a rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est tari, guéris ce qui est blessé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs.
envoies du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoies du haut du ciel un rayon de ta lumière. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Je vais vous proposer un geste qui n'est pas liturgique, hein, c'est de les applaudir quand même. Nous allons poursuivre notre célébration en élargissant notre prière à l'univers tout entier. Chúa Thánh Thần, đến canh tân bộ mặt trái đất này và làm cho mọi người trở nên con cái Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho các em vừa được lãnh nhận bí tích thêm sức, luôn được nhận biết và đừng bao giờ lìa xa Chúa. Xin cho những ai đang tìm kiếm Chúa cũng biết nhận ra Chúa là cha chung của mọi người. Nhờ ơn Thánh Thần Chúa, chúng ta cầu xin Chúa. Seigneur, que l'Esprit Saint vienne bénir toute l'Église,
qu'il fasse de nous, papes, évêques, prêtres, les personnes consacrées et ainsi que nous tous, les membres du corps mystique du Christ, des personnes humbles et fidèles à ta parole et au sacrement de l'Église. Que l'Esprit Saint nous transforme en témoins de Jésus-Christ et qu'il nous envoie en mission dans le monde avec amour et bienveillance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous prions pour que tu règnes sur le monde pour les siècles et des siècles dans l'unité du Saint-Esprit. Prions pour l'arrêt des feux des guerres qui se passent dans le monde et fais régner la paix, la solidarité et la réconciliation. Viens en aide à chaque personne en difficulté et que tu puisses guérir les personnes atteintes de maladies. Dirige ce monde avec ton amour, ta sagesse et accompagne tes enfants vers la voie de vérité. Seigneur, nous te prions. Chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phạm ai yêu thương thì đều được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho đoàn Kitô vua, từ các em chiên con đến các hiệp sĩ, luôn được ở trong niềm vui, sự ngây thơ và luôn học hỏi cùng các anh chị hướng dẫn. Mong là các anh chị hiệp sĩ trưởng thành đến các huynh trưởng, cũng như các ba mẹ luôn thành công, hạnh phúc và chăm lo đời sống thiêng liêng. Cuối cùng, chúng ta hãy cầu nguyện cho cha giám đốc, xin cho cha được mau chữa lành, xin cho cha Sinh và cha Roger, các thầy luôn được mạnh khỏe để dẫn dắt chúng ta theo đường lối Chúa. Nguyện xin cho mọi người, ai ai cũng sống đời thánh thể, sống trong hòa bình, trong tình yêu, vĩnh cửu, bình an bên Chúa và mãi mãi tiếp tục đồng hành với nhau, bước đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa. Dieu d'amour, Père fidèle à l'Alliance, rassemble-nous afin que nous participions au festin des noces. Exauce les prières que nous avons exprimées. Regarde aussi celles qui habitent nos cœurs et que peut-être toi seul connais. Exauce-les par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Yeah.
mettre ta paix dans la discorde. Viens, nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. Viens et nous serons des artisans de paix sur terre. Viens donner la joie qui vient du Père. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes, et par la lumière de l'Esprit-Saint, viens purifier nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Trời bao la ngập tràn vinh quang của Chúa. Hosanna, Hosanna, Chúa, 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 Hosanna, Chú
Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou une offre pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit-Saint. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande, et toi qui es bon, protège en eux l'œuvre de ta grâce. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande, ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-les dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
trên thánh của Chúa. Ngài đã đến xóa hết vết nhơ trần gian, nguyện thương xót đoàn con, nguyện thương xót đoàn con. Lễ chiến thắng của Chúa, Ngài đã đến xóa hết vết nhơ trần gian, nguyện thương xót đoàn con, nguyện thương xót đoàn con. Lễ chiến thắng của Chúa, Ngài đã đến xóa hết vết nhơ trần gian, nguyện ban xuống bình an, nguyện ban xuống bình an. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent sa bonté, la joie de vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens partager ta vie qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, et qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils. Maintenant qu'ils sont confirmés, aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la liberté.
qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et l'Esprit, il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. J'invite trois jeunes qui vont monter pour dire quelques mots de remerciement. Les autres années, il n'y en a que deux, mais cette année, ils sont trois. Et aucun garçon. Chers prêtres, chère assemblée, tout d'abord, nous tenons à remercier tous les prêtres d'être présents aujourd'hui. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la cérémonie d'aujourd'hui, particulièrement Monseigneur Guéguin, qui a pris le temps de lire nos lettres, et le prêtre Roger, qui nous a accompagnés tout au long de la retraite. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous, les 17 confirmés, car nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous tenons à remercier les Anjehincho d'avoir été à nos côtés, mais également à nos professeurs de catéchisme, Chunyan, Kolan et Kotam, qui nous ont accompagnés tout au long de notre cheminement. Merci à vous d'être venus aujourd'hui et priez pour ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Kintu Duk Om Gigan, Kak Cha Kui Tei, Kak Phu Huynh, Kak Yao Li Vien, và các anh chị em. Ngày hôm nay, chúng con đã được lãnh nhận bí tích thêm sức. Đó là một ngày rất quan trọng cho chúng con, vì chúng con đã nhận được Chúa Thánh Thần. Chúng con muốn cảm ơn cha Đức ông Michel Guéguen đã dành thời gian để đọc thư và nói chuyện với chúng con và đã đến ban phép thêm sức cho chúng con. Chúng con cảm ơn cha Roger, các giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng đã có mặt ngày tiễn thăm để hướng dẫn và lo lắng cho các em. Chúng con xin cảm ơn chú Nhân, cô Lan và cô Thâm đã dạy cho các con và giúp đỡ các con trong suốt năm này để chuẩn bị ngày hôm nay. Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn các ba mẹ, những người đã đồng hành với con cái của họ và mỗi thứ bảy để các em được thân hoa trong đức tin một lần nữa. Chúng con xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn và đặc biệt là sự hiện diện của Đức ông Guéguen trong buổi tối hôm nay được nhiều hôm ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria. Merci. Voilà, c'est fini le remerciement. C'est le temps de l'envoi. Et il y a une prière de consécration à la Vierge Marie, pour les cas confirmés. Ce sera lié, il y a une prière, c'est la prière de Saint Jean-Paul II, qui a été un petit peu adaptée et traduite en vietnamien. À vous pour l'envoi. Encore je dise quelques mots, merci à tous ces jeunes et moins jeunes qui ont
qui se sont engagés pour recevoir le sacrement de réconciliation. Je suppose qu'à travers les jeunes filles qui se sont exprimées, c'est aussi tous les garçons qui expriment leur merci. J'étais très heureux, merci Joseph d'opiner. Voilà, j'étais heureux d'entendre mon nom en vietnamien, Michel Gagin. Enfin, c'est à peu près compris cela, voilà. Pour le reste, vous voyez qu'il va falloir que je revienne encore un certain nombre d'années pour apprendre le vietnamien et pouvoir chanter avec vous. Voilà, participer en particulier en priant dans votre belle langue. Voilà, je vous propose maintenant donc de... C'est l'envoi, donc on va laisser le diacre nous envoyer dans la paix et ensuite nous dirons la prière. Oui, juste une annonce très courte. Chúng ta một lần nữa cha sinh xin cảm ơn tất cả những ai đã phục vụ và giúp cho thánh lễ này. Đầu lễ cha sinh đã nói, hành hương của giáo xứ vào tháng 8 sẽ có một chuyến hành hương đi Lộ Đức từ ngày 16 đến ngày 18. Nếu ai muốn tham gia xin lấy tờ ghi danh để đăng ký và tất cả những thông tin khác chúng ta sẽ thấy ở trong tờ mục vụ. Xin cảm ơn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta kết thúc thánh lễ. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chúng ta sẽ dâng các em và gia đình cho mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng, hôm nay chúng con phó dâng cho mẹ 15 em nghĩa sĩ, một hiệp sĩ trưởng thành và một phụ huynh vừa được bí tích thêm sức. Xin dâng cho mẹ gia đình thân quyến, các cha mẹ đỡ đầu của các em và của các người trưởng thành. Qua các em, chúng con cũng phó dâng cho mẹ tất cả những thành viên thiếu nhi thánh thể và giới trẻ trong giáo xứ Việt Nam chúng con, vì họ chính là nguồn hy vọng của giáo hội, là những người truyền giáo của thiên niên kỷ thứ ba và là những chứng nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong xã hội ngày hôm nay. Xin cho tất cả nhờ ơn Chúa biết đáp trả lại lời hứa của Chúa Giêsu Kitô giống như mẹ, với một lòng cam kết hào hùng và một sự cộng tác trung thành với Chúa. Xin cho tất cả được nên giống mẹ, biết diễn giải những khát vọng của nhân loại mà dâng lên cùng Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Để đấng Emmanuel, nhờ tình yêu mẹ của Ngài, sẽ luôn mãi là nguồn cứu độ cho thế giới. Và nhờ chiến thắng của thập giá và sự phục sinh của Ngài, Giêsu Kitô sẽ luôn ở cùng chúng con mãi mãi cho đến tận cùng thời gian. Amen. Thank you.
déjà, j'ai pas de bol, j'ai pété la voiture, j'ai pété la guitare.